Yo les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo mais extrêmement intéressante puisque enfin Dragon Ball Legends a sorti quelque chose sur leur Twitter qui était intéressant. Aujourd'hui, on a des infos cachées mais des infos quand même et peut-être des infos qui vont nous hyper avec possiblement une nouvelle mécanique de transfo, fusion in-game, vous allez voir, on va en discuter ensemble. On en sera évidemment plus demain avec la mise à jour et avec les news. Mais, on a quelques indices par-ci par-là qui viennent de popper sur les réseaux sociaux. Avant qu'on aille discuter de tout cela, évidemment, je compte sur toi pour mettre le méga pouce bleu si c'est pas déjà fait. Pense également à t'abonner si t'es pas encore abonné à la chaîne et à réagir à ce que je vais te dire, à ce que tu as vu, à ce que tu vas voir et me donner ton propre avis sur ces indices-là qui se trouvent. Tu es actuellement, pardon, sur le Twitter officiel de Dragon Ball Legends et même sur le Play Store officiellement. Vous allez voir, je vous dis qu'il y a du bon. Je pense qu'il y a du bon, tu sais que Dragon Ball Legends, maintenant, faut mettre tellement de pincettes, on s'est tellement fait avoir qu'autant, c'est pas grand-chose. Mais écoute, on se hype avec ce qu'on a, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais, tout de même, ça peut annoncer du bon et du très, très, très intéressant pour la suite. Qu'est-ce que je te montre en premier? Eh bien, je te montre en premier un indice du Twitter officiel de Dragon Ball Legends que tu peux voir ici, qui a tweeté ça ce matin. Je n'ai pas voulu en parler parce que bon, bah, j'avais pas trop d'idées là-dessus, mais couplé avec ce qui est arrivé tout à l'heure, ça peut être intéressant. Tout simplement, c'est un carré magique. Hein, si tu calcules, eh bien, à chaque fois, le 6 plus 1 plus 8, 2 plus 9 plus 4, la somme est égale, eh bien, je te le dis en 1000, les amis, puisque c'est un carré magique. Regarde, à 15, voilà, c'est écrit ici par ceux qui ont commencer à théoriser là-dessus, à droite et à gauche, mais c'est pas vraiment ça qui est intéressant, parce que certains se sont dit, alors c'est le 15e film Dragon Ball, qu'est-ce qu'il y a eu dans le 15e film Dragon Ball? D'autres ont cherché d'autres théories, nanani, nanana, le sigle 1 est entouré par un rond jaune, donc il est plus mis en valeur que les autres. Certains ont dit que c'était du coup la fameuse phrase de Vegeta qui dit à Goku que c'est le number 1, que c'est le numéro 1 à la fin de l'arc Boo, quand il se fight contre le petit Boo, contre Boo maléfique, Kid Boo, appelle-le comme tu veux, il a tellement de noms, je sais même pas c'est quoi son nom officiel au final, tout le monde l'appelle Kid Boo, mais ça doit être le Boo original, je ne sais pas, bref, on s'en fout, on va appeler Kid Boo, parce que tout le monde l'appelle comme ça. Eh bien, que Vegeta dit ça de Goku en le regardant se fighter. Donc, certains se disent que c'est un Vegeta cross Goku en duo. D'autres disent que c'est Garlic. Ah ouais, pourquoi Garlic? Parce que le tout premier film Dragon Ball Z, eh bien, c'est le film avec Garlic Junior. Donc, certains se sont dit que ça venait peut-être de Garlic. D'autres ont essayé de faire des trucs. Et ils se sont dit, regarde, il a fait ça, les gars. Du coup, double ruban rouge. Peut-être Step Up Dragon Ball. Voilà, c'est parti en cacahuète, mais en même temps c'est cool. Pour le coup, j'aime bien ce genre d'indice, même si c'est pas si évident que ça. Hein, il est vraiment tendu celui-là. Mais on verra demain qui avait réussi à le découvrir. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il est couplé à quelque chose qui peut être très intéressant, qui vient de pop sur les réseaux sociaux, les amis. Je vais switcher immédiatement. C'est ceci. Ah, ça y est plus, c'est ici, ceci, c'est là. C'est ceci, je viens de le foutre sur mon Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, les amis, c'est dans la description. Et sur Twitch, puisque mes lives se déroulent sur Twitch, même si en ce moment, ça fait 2-3 jours que je n'en ai pas fait, par faute de temps et aussi du fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur les différents jeux, on va pas se le cacher, même si je joue beaucoup à Bounty Rush en off. Peut-être que j'en ferai un tout à l'heure sur la chaîne Twitch, donc n'hésite pas à la follow, elle se trouve into the description, dans la description, les amis. Voilà. Du coup, comme tu peux le constater sur mon Twitter, eh bien, j'ai récupéré dans le Play Store hispanique, j'ai trouvé ça sur le hashtag DBLegends, un hispanique qui nous a mis ça, et comme tu peux le voir, eh bien, l'icône est différente, l'icône a changé, n'est pas la même que ce que toi tu peux avoir, ou ce que moi je peux avoir au moment où je te tourne la vidéo, sur l'icône Dragon Ball Legends. On a une double case avec Goku Blue et Vegeta Blue, qui a les cheveux bien vénères, hein. Ça pourrait nous rappeler du Vegeta Blue Evolution, maybe, mais ça pourrait aussi, les gars, nous faire appel à une sorte de carte duo, une carte fusion in-game, pourquoi pas un Goku et Vegeta Blue qui sont tous les deux là, qui peuvent fusionner suite à une principale en jeu sous une certaine condition, pendant 30 secondes, 45 secondes en Vegeto ou en Gogeta, whatever. En tout cas, pourquoi pas une nouvelle mécanique de combat, de gameplay avec l'assist qui serait jouable aussi, hein. Par exemple, tu as Goku Blue, paf, tu switch, t'as un mini switch un peu comme tu sais...
l'esquive de Migaté, sauf que là, ça permettrait de faire un switch sur ton assist, qui serait, par exemple, Vegeta, du coup, ou à l'inverse, Goku, et qui arriverait, qui jouerait, qui rejoindrait le combat aussi, alors peu importe comment il joue ça, mais peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose de sympathique là-dessus, ou encore les fusions in-game, ou alors c'est tout con, c'est juste Vegeta Blue Evolution qui est teasé. ça peut être ça, mais je vois pas trop le rapport avec l'indice qu'on a eu sur Twitter, donc je sais pas trop. Je sais pas trop, mais ça pourrait être ça. Je vais te le mettre en plus gros ici, l'icône, voilà, tu la vois ici. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que pour vous, c'est l'arrivée de Vegeta Blue Evolution, mais ça collerait pas vraiment avec ce qu'on a vu avec l'indice que je vous ai présenté juste avant? Est-ce qu'on est plutôt sur un teasing d'un nouveau mécanique et d'un nouveau mécanisme in-game, soit de fusion, soit d'assist, mais d'assist que tu peux vraiment jouer, hein, pas comme Chilai et Broly par exemple, où juste Chilai vient et puis qu'une Dragon Ball ça casse ou un truc comme ça, tu vois. Mais vraiment, tu peux jouer le personnage, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. J'espère qu'on va être surpris du bon côté. J'espère que demain, quand je vais me réveiller, quand je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous dire « Oh les gars, incroyable, enfin, on y est, on a de la news croquante, de la news intéressante, avec du contenu, parce que bah, les portails, je vous le rappelle, que ce n'est pas du contenu, même si on sera probablement hype selon ce que c'est, mais s'il y a zéro contenu à côté, eh bien, ça ne changera rien au Schmidblick. » On verra bien demain ce qu'il en est. J'attends vivement vos commentaires dans l'espace dédié à ça pour voir ce que vous en pensez, qui vous pensez qui va arriver. Est-ce que pour vous c'est l'annonce des fusions in-game? Est-ce que c'est pour vous c'est l'annonce du fait de pouvoir jouer avec ton assist en plus de ton personnage, donc un personnage à deux? Est-ce que c'est pour toi l'annonce de Vegeta Blue Evolution ou peut-être toute autre chose auquel je n'ai absolument pas pensé? N'oublie pas l'indice qui a été donné juste avant. Peut-être que d'ailleurs ça ne matchera pas avec ça, hein. Peut-être que ça fait partie de la deuxième partie de la célébration, ou d'une autre célébration, ou de la première partie, enfin on sait pas vraiment encore. Hein. Demain on sera fixé probablement, ou dans la soirée, mais en tout cas, pas mal d'informations qui pourraient être sympathiques arriveront dans la nuit, donc du coup demain matin quand tu te lèveras, t'inquiète pas, je te préparerai ta petite vidéo, petits oignons, donc active la cloche pour pas louper la notif de la vidéo de demain, et on ira regarder les news, et espérons que ce soit intéressant, sachant que dans les news, celle-ci ne vous a peut-être pas échappé. Vous avez eu une petite news qui est dans le jeu actuellement. Je ne vais pas la montrer parce que là, mon téléphone, du coup, n'est pas relié à l'ordi. Mais dans la news in-game de la mise à jour qu'il y a eu, parce qu'il y a eu une petite mise à jour store, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, probablement que oui. Eh bien, on a eu la différenciation entre les assists, les personnages assists, a priori, si je me souviens bien de tête, au niveau de la couleur du personnage. Est-ce que ceci appuierait la théorie de cette nouvelle mécanique? Eh bien écoutez, moi je vous dis rendez-vous demain ou rendez-vous ce soir s'il balance des trucs pour en savoir plus. Voilà, j'attends vos avis dans l'espace commentaire, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bas, vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Twitch et sur Twitter et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de nos vidéos. Biscuits, love, peace et ciao.